Salut, j'espère que tu vas bien. Donc là, on va commencer la série des arpèges pour débutants. On va faire les arpèges numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Des arpèges bien pratiques pour jouer plein de choses au doigt. On commence tout de suite par l'arpège numéro 1. Pour l'arpège numéro 1, c'est relativement simple, hein. On fait comme d'habitude. On va bloquer la main gauche, ici, des cordes avec la main gauche. Mettre notre main droite, le pouce sur la corde du La. Les trois doigts, l'index, le majeur et l'annulaire, sur les trois dernières cordes du bas. Le principe, c'est simplement de faire le pouce, l'annulaire, le majeur et l'index. Et après, on va de plus en plus vite. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Le but du jeu, c'est de mettre un petit coup sec. Paf, avec le pouce. Après, on remonte légèrement avec les autres doigts. Le truc à savoir, avec les arpèges, quand tu rajoutes les accords, c'est qu'il faut choisir la bonne basse. Donc là, on a choisi cette corde-là, puisque le pouce sera sur cette corde-là. Pour certains accords, comme le La, le Do sur Si, le pouce, il sera en haut pour les accords un peu Sol, Mi mineur, Mi majeur, le Fa, ici sur la corde du Ré, pour les accords dont la basse commencera ici, c'est-à-dire un Ré. En gros, ton arpège, il fera pouce, annulaire, majeur, index, en commençant ou le pouce sur la basse ici au niveau du La, ou le pouce sur la basse au niveau du Ré, ou le pouce au niveau du Mi. Au niveau pratique, ça donne ça. Basse duo. Et la basse du Ré. Premier enchaînement très léger. 3, 4. Temps de démarrer à 60 bpm et de terminer sur les 160-170 bpm. Si tu as des questions, bah contacte-moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Amuse-toi bien et garde la forme.